Nous sommes au palais de justice de Poitiers. Et en ce 20 février 1952, la salle d'audience est pleine à craquer. Les hôtels de la ville aussi d'ailleurs, car pour suivre ce procès, on est venu de la France entière. Que dis-je de la France entière ? Du monde entier. Car il y a aussi des journalistes anglais, allemands, états-uniens, suisses ou encore scandinaves qui ont tous été envoyés pour couvrir l'événement. Et toutes les langues résonnent dans la salle des pas perdus. Pourtant, la première journée d'audience déçoit. En effet, elle est consacrée à juger Marie Bénard pour une obscure affaire de fraude à la sécurité sociale. On lui reproche d'avoir imité la signature de sa tante pour toucher un mandat, alors que sa tante lui avait donné procuration pour ça. Mais la vieille dame est décédée depuis 3 ans et un nouveau mandat a été perçu. Le juge Roger a manifestement enquêté également là-dessus pour montrer que Marie Bénard est très attirée par l'argent. Marie nie évidemment l'avoir touchée. En plus, le nom de sa tante n'est même pas orthographié correctement. Elle n'aurait jamais fait cette erreur, elle qui a toujours orthographié de façon correcte le nom de famille de la vieille dame. Ses cousins la soutiennent, ils jurent qu'ils sont certains de l'honnêteté de leur cousine, mais rien n'y fait. Le fameux expert Edmond Locard a décidé que c'était bien elle qui avait imité la signature. Et un expert ne se trompe pas. Celui-ci s'était pourtant déjà trompé par le passé concernant une expertise graphologique, puisqu'il avait déjà faussement estimé que le bordereau accusateur du capitaine Dreyfus était bien de la main du militaire, alors que la suite des événements avait démontré le contraire. Peu importe, le juge Roger a là aussi refusé la contre-expertise et Marie Bénard est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et 12 000 francs d'amende. Le président de la cour d'assises lui précise, comme le veut le code d'instruction criminelle, que vous n'accomplirez pas cette peine si vous n'encourez aucune autre condamnation dans un délai de 5 ans. Un éclat de rire dans la salle, mais tout le monde sait bien que les choses sérieuses ne commenceront que demain. Les jurés ayant été tirés au sort la veille, le procès de l'empoisonneuse peut enfin commencer. L'audience est présidée par M. le conseiller Favard et le ministère public est représenté par le procureur Giraud. Sur les bancs de la défense, les avocats de Marie Bénard sont prêts. Il s'agit d'Albert Gautrat, d'Henri Ayot, tous deux avocats parisiens, et de Henri Ducluseau, un avocat de Poitiers. Toute la journée, c'est un défilé de témoins, plus de 90. Les voisins, les amis, les ennemis, tout y passe. Mais ces témoignages n'apportent pas grand-chose, à part quelques ragots. Même le témoignage de Louise Pintou n'apporte guère plus que ce que l'on sait déjà. Tout au plus, répète-t-elle du bout des lèvres les accusations qu'elle avait déjà formulées avant de se rétracter devant les gendarmes et de changer encore d'avis devant le juge d'instruction. Oui, Léon Bénard lui a bien dit qu'il y avait un liquide blanc dans son assiette avant que Marie n'y verse la soupe. Non, elle n'a pas été sa maîtresse. Son témoignage laisse une impression de malaise à l'auditoire. Un autre témoin, en revanche, va attirer toutes les attentions. Il s'agit de notre vieille connaissance, Auguste Massif. Vous savez, l'accusateur de la première heure, celui par lequel tout a commencé. Ce personnage excentrique et un peu dérangé a été présenté dans un premier temps par la presse comme étant un homme courageux qui a voulu mettre fin au crime de Marie Bénard. Mais sa lamentable prestation devant la cour d'assises a vite fait de dégonfler la baudruche
Et tout le monde commence à se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de concret dans cette affaire. Ce ne sont que des ragots, des on-dit, des calomnies. À part les analyses toxicologiques, qui elles sont des choses solides et objectives, il n'y a pas grand-chose de précis dans ce dossier. Ce sont justement ces analyses toxicologiques que la défense va maintenant attaquer. Le lendemain, troisième jour du procès, un coup de théâtre va se produire et l'affaire va prendre un tour complètement imprévu. Le matin, on entend les fossoyeurs qui ont exhumé les cadavres. Mais dans leur costume du dimanche, ils sont mal à l'aise. Ils n'ont pas les bons usages des gens de la ville et ils sont bien embarrassés pour répondre clairement aux questions qu'on leur pose. S'ils peuvent dire sans problème ce qu'ils ont trouvé, en revanche, ils hésitent beaucoup quand on veut leur faire dire qui ils ont trouvé. Par exemple, la tombe de la famille Gouin avait fait déjà l'objet d'une précédente exhumation pour y enterrer un nouveau défunt. Et les fossoyeurs ne sont pas bien sûrs s'ils ont effectivement exhumé les restes des bonnes personnes. Seulement, on accuse Marie Bénard d'avoir empoisonné Louise et Marie-Louise Gouin, la mère et la grand-mère de son mari Léon Bénard. Et on n'est même pas absolument certain que c'est sur leurs restes qu'on a bien pratiqué les prélèvements. C'est maintenant au tour des médecins légistes de témoigner. Ceux-là même qui ont pratiqué les prélèvements lors des exhumations selon les directives du docteur Béraud. Il s'agit du docteur Guillon et du docteur Setta. Mais eux non plus ne sont pas très sûrs de ce qu'ils ont prélevé et de ce qu'ils ont envoyé à Marseille. Dans certains cas, ce n'était que des débris. Il était difficile de dire de quel organe il s'agissait. Maître Gautrin demande alors au docteur Guillon de lui confirmer qu'il a bien prélevé un œil sur l'un des cadavres qui est depuis 5 ans dans la tombe. Le médecin confirme et Maître Gautrin ajoute: Mais docteur, combien de temps un œil humain met-il pour se décomposer? Oh, quelques semaines, répond le docteur Guillon. Quelques semaines. Alors que ce cadavre a passé 5 ans en terre et qu'on y a retrouvé un œil. Vous voulez d'autres exemples d'incohérence? Les bocaux concernant les prélèvements ont été envoyés à Marseille, dans des caisses non scellées. Par exemple, pour les 10 bocaux envoyés qui contenaient les restes de Léon Bénard, il en manquait un à l'arrivée, celui qui contenait le larynx et les cheveux. Ce qui n'a pas empêché le docteur Béroux d'analyser ensuite ces mêmes cheveux, miraculeusement retrouvés. Alors attention, je ne dis pas bien évidemment qu'il y a eu manipulation. C'est plutôt la conséquence d'un certain amateurisme lors des prélèvements et de la gestion des scellés. Le président Favart fait ensuite appeler le docteur Béroux. Il faut bien ça pour effacer la mauvaise impression laissée par les témoignages des fossoyeurs et des médecins. D'autant plus qu'à l'époque, le docteur Béroux est une sommité. Il est au fait de sa gloire. Depuis plus de 20 ans, ses expertises font autorité dans tous les prétoires. Et son prestige n'est contesté par personne. D'ailleurs, dans le milieu pénal, on parle d'école de Marseille pour désigner sa méthode et ses travaux. Pour lui, le procès Bénard n'est qu'une expertise de plus, une affaire rondement menée qui n'ajoutera sans doute pas grand-chose de plus à sa gloire, et il arrive tout à fait confiant à l'audience, où il ne doute pas que sa faconde et son accent marseillais vont faire merveille. Il a tort. Maître Ayot commence par lui poser quelques questions anodines, histoire de le mettre en confiance. Il le flatte, parle de sa compétence, de sa réputation. Puis il en vient à l'expertise concernant Pauline Bodineau. Pauline Bodineau, c'est la cousine de Léon Bénard. Elle est morte en 1945, à l'âge de 88 ans. Si je comprends bien, dit-il au médecin, les restes de Madame Bodineau contiennent 48 mg d'arsenic. Oh oui, maître. Mais
Alors dans ce cas, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, si je reprends vos calculs, par rapport à la quantité de cheveux que vous avez analysée, elle aurait dû avoir 6 kilos de cheveux sur la tête? Rumeur dans la salle. Et le docteur Bérou commence à perdre un peu de sa superbe. Son calvaire ne fait cependant que commencer. Maître Gaudra se lève à son tour. Mais dites-moi, docteur, comment avez-vous procédé pour identifier l'arsenic dans les restes que vous avez analysés? Oh, par les méthodes de Marché Cribier, maître. Et dans quel cas avez-vous employé l'une ou l'autre de ces méthodes? Oh, la méthode de Marche et celle de Cribier, c'est la même chose, ou à peu près. Il n'y a pas d'à peu près dans la science, docteur Bérou. Ah, mais ça, maître, il suffit de ne pas être de Paris pour être pris immédiatement pour un imbécile. L'auditoire s'esclaffe. L'avocat reprend. Si j'ai bien compris, la méthode de Marche laisse sur les éprouvettes des cercles de substances lorsqu'il y a de l'arsenic. C'est bien cela. Oh oui, maître. Et est-il vrai qu'il y a aussi une autre substance qui laisse elle aussi des anneaux avec la méthode de Marche? Oh oui, maître, l'antimoine. Vous avez bien écrit au juge d'instruction que vous pouviez identifier des traces d'arsenic dans un tube de Marche et qu'à l'œil nu, vous les distingueriez immédiatement des traces d'antimoine. Tout à fait, maître. Eh bien, voilà, dites-moi, voici 6 tubes de mélange avec des traces toxiques. Lesquels contiennent de l'arsenic? Le docteur Bérou chausse ses lunettes, prend son temps, examine attentivement chacune des 6 éprouvettes et finit par déclarer: ces deux-là contiennent de l'arsenic. Maître Gaudra prend quelques secondes avant de répondre calmement: aucune de ces 6 éprouvettes ne contient d'arsenic. Ce sont tous des anneaux d'antimoine. Et son confrère, maître Ayot, ajoute: docteur Bérou, vous êtes jugé. L'effet de surprise est énorme dans la salle. Tout le monde se met à parler en même temps. Le président Favart essaie de rétablir le calme, puis, constatant qu'il n'y arrive pas, il finit par suspendre la séance. Le lendemain, toute la presse fait l'écho de ce rebondissement absolument spectaculaire. Celle qui était la veille encore l'empoisonneuse de Loudun commence à devenir dans la presse et l'opinion publique la bonne dame de Loudun. Le docteur Bérou n'est pas présent à l'audience. Il a fait savoir qu'il est tombé et qu'il ne peut pas marcher. C'est son assistant, le docteur Médaille, qui parle à sa place. Mais le docteur Médaille n'a pas la qualité d'expert et ses explications n'intéressent ni ne convainquent personne. Et l'audience se termine sans rien apporter de nouveau. Le lundi 25 février, le dernier jour du procès, le docteur Bérou est de retour, mais il s'énerve vite. Je ne suis pas là pour passer un examen, répond-il quand on lui pose une question. La défense de Marie Bénard a cependant autre chose en tête. Car la carrière du docteur Bérou en tant qu'expert est à présent terminée. Les avocats font entendre 2 spécialistes parisiens, le docteur Schuster et le docteur Perpérou. Ils ne sont pas entendus comme experts, ce qui avait été refusé par le juge Roger, mais en qualité de témoins. Ils ont tous les deux étudié attentivement le rapport de leur confrère Bérou et ils sont là pour le démolir. Le docteur Schuster est un spécialiste de haut vol, membre de l'Académie de pharmacie et du Conseil supérieur des laboratoires. Il explique à la Cour qu'il a constaté diverses incohérences dans ce fameux rapport. Des organes, des poils et des cheveux ont été analysés ensemble alors qu'il ne faut pas le faire. Aucune recherche de plomb n'a été faite alors qu'il est à la base de l'arséniate de plomb. Bref, pour lui, le travail de Bérou fourmille d'erreurs grossières. Et il ne démontre en rien qu'il y aurait eu un empoisonnement. Puis c'est au tour du docteur Perpérou de témoigner. Il raconte qu'il a reçu de maître Ayot de la terre analysée sans que celui-ci lui dise d'où elle vient, qu'il a trouvé de l'arsenic dedans et que ce n'est qu'à ce moment-là que l'avocat lui a révélé la provenance, le cimetière de Loudun. Le docteur Perpérou a alors recommandé une contre-expertise, mais elle a été refusée par le juge d'instruction.
À partir de ce moment-là, il ne reste plus grand-chose des éléments sur lesquels reposait l'accusation. La cour se retire pour délibérer, puis rend finalement son arrêt. Après une longue délibération, elle décide que l'affaire n'est pas en état d'être jugée parce que les expertises n'ont pas démontré la présence d'arsenic avec certitude. Elle nomme donc de nouveaux experts pour procéder à de nouvelles exhumations et à de nouvelles analyses toxicologiques, ce qui aurait dû être fait par le juge d'instruction. Les experts ont 2 mois pour ça, et en attendant, Marie Bénard reste évidemment en prison. Et elle y restera jusqu'à son second procès, qu'elle espère proche.